sont allés, je parle à Rariport, pour les accueillir et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment, le Sénégal, c'est vraiment un pays d'accueil. Alors, vous avez parlé de vos invités. Est-ce que ces invités, ils viendront pour investir dans Dakar ou bien dans l'Afrique même ? Dakar. D'abord, nous sommes là depuis 2 semaines. Mm-hmm. Ouais. D'abord, la première journée, nous aurons, n'est-ce pas, une conférence de presse à l'hôtel Goodred. Oui, Goodred. Voilà, juste à côté là. De 15h à 18h, la presse nationale et internationale. Wow. Parce que nous recevons vraiment des chefs cuisiniers. Mm-hmm. Nous recevons des gens qui sont dans les mines. Nous recevons des gens qui sont dans l'immobilier. Mm-hmm. C'est vraiment des gens que je gère en tant que président de tout ça. Ça, c'est la conférence de presse. Mm-hmm. À partir du 5, 6 et 7, bien sûr, nous sommes des chrétiens. Des chrétiens. Donc, on aura l'occasion de prier. De prier. Voilà, on aura prié et ça sera à la salle Mariam Bar de collège. Nous, en tant que chrétiens, on aura la chance de prier. Voilà, en tant que chrétien, on aura l'occasion de prier collège lycée Kennedy, George Kennedy, le 5 d'abord, le 5, de 10h à 18h. Okay. Et apparemment, le 6, de 10h à 18h, de 7 à 18h. Okay. Le 8, nous avons un événement ici. C'est d'aller visiter le monument de la Renaissance et faire aussi des dons aux orphelinats. Ah. Voilà, nous avons les dons à faire aux orphelinats. C'est fantastique. Alors, de 9, 10 et 11, nous avons une formation en entrepreneuriat. C'est ça qui est intéressant. Voilà, on a une formation. Voilà, une formation. Il y a des coachs qui vont venir enseigner comment se créer de l'argent à partir de l'agro-business. C'est-à-dire, tu fais le piment, comment tu vas avoir des millions en 4 mois de production. Ça, c'est intéressant. Voilà, c'est ce qui est intéressant. Et comment c'est avoir un bâtiment, comment c'est faire avoir un toit en Afrique dans ces 3 jours. Mm-hmm. Et après ça, nous aurons, n'est-ce pas, une visite à l'île de Gorée, qui est vraiment quelque chose de très historique. Mm-hmm. Et le 13, nous aurons une soirée avec les enfants atteints du cancer. C'est un programme riche en cancer. Voilà, un programme très chargé en enfants atteints du cancer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est historique. Oui. C'est vraiment très historique. Mm-hmm. Auparavant, j'étais là, j'ai annoncé l'événement, mais ça m'a permis de m'installer moi-même personnellement. Ah, au Sénégal. Donc, j'ai installé mon entreprise qu'on appelle Barouk, et c'est Barouk qui est en charge de tout cet événement. Voilà, parce que c'est événementiel, Barouk est événementiel. Ah. Donc, c'est nous qui organisons, heureusement, c'est nous qui organisons ça. Et pourquoi vous avez encore choisi le Sénégal? On l'avait fait. C'est le pays de la Ténégal. Tu n'as pas besoin de parler de ça. Okay. En tout cas, nous vous félicitons. C'est historique. Mm-hmm. Et pourquoi pas aussi, vous avez choisi la télé aussi. Parce qu'on l'avait fait la fois passée. Ça a marché, quoi. Ça a marché. Cette télé était suivie de tout le monde. Merci beaucoup. Donc, c'est la meilleure télé. En tout cas, on en profite aussi pour vous féliciter parce qu'on a vu, vous avez mêlé l'utile à l'agréable en quoi en faisant. C'est vrai que vous amenez les entrepreneurs, mais vous permettrez aussi à ces invités de découvrir certains sites. Donc, ce qui veut dire que côté touristique, parce que j'ai vu que vous irez à Gorée, vous irez au monument de la Renaissance, et ça aussi, c'est fantastique. Merci. Parce que Dakar, donc je laisse le site. Ouais. Les gens peuvent aller visiter nos sites, nos sites web. C'est www.jeck-6. Mm-hmm. Voilà, afrique.com, org plutôt. .org. Vous allez visiter notre site internet, vous pouvez vous inscrire parce qu'on a plein de choses à faire, c'est d'aider. C'est vrai que nous sommes des jeunes chrétiens, mais nous sommes ouverts à tout le monde, même musulmans, à tout le monde et tout ça. Pour nous, c'est l'Afrique. Mm-hmm. Il faut être maintenant, c'est maintenant qu'il faut être aux côtés de l'Afrique. Mm-hmm. C'est maintenant qu'il faut créer les entreprises. Parce que moi-même, quand j'ai demandé, parce que je voulais 6 personnes par rapport à mon entreprise, j'ai eu 300 personnes qui ont postulé. Wow. On dit qu'il y a des gens qui ont des diplômes plus chers. Il faut venir aux côtés de l'Afrique aider nos frères et sœurs. Ah, c'est bien. Ah, il y a des gens à remercier, des partenaires, des sponsors et tout. Le sponsor, c'est Dieu. Seulement. Le partenaire, c'est Dieu. Si vous êtes avec Dieu, c'est le bon sponsor. La TFM. Ouais. Elle est citée aussi le méridien présidentiel, je pense que c'est toute une histoire. Là, je ne vais pas élaborer alors. Barre là-bas. Je ne vais pas élaborer. Il n'y aura pas de débordement quand même. Je vais rester là où je suis et on va faire ensemble. On va aller voir ensemble la vidéo de l'événement. Okay. Donc après, on aura un clip aussi et pour réinstaller les jeunes de Ndenat. Parce que vous êtes là et vous êtes très mal assise. Donc après, on va vous réorganiser et après, on va vous refaire. Hein, vous allez vous lever et vous... Debout, vous allez vous lever et après, assis, vous allez vous asseoir, mais bien organisé quand même. Allez, merci beaucoup, docteur. Et à la prochaine. Hein. Merci beaucoup. On va regarder la vidéo de l'événement et après, on va voir un clip et après, on revient ici. Événement.
Vous êtes invité à la première édition du Forum des jeunes entrepreneurs chrétiens africains, JCA, à Dakar, au Sénégal. Date du 4 au 14 août 2022. Lieu, Dakar, Sénégal, île de Gorée. Avec pour orateur, M. Joël Crasso, président des jeunes entrepreneurs chrétiens africains, JCA et PDG de Baruch Entreprises. Au programme, rencontre de prière, séminaire de formation sur l'entrepreneuriat et l'investissement. Retrouvez toutes les informations via les adresses suivantes. www.gkafrica.org. Contact WhatsApp +221 76 366 07. Que Dieu vous bénisse.